je suis Martine Jardinet, je suis vice-présidente du Conseil général en charge de l'habitat, du logement, du développement social, de la précarité et de l'insertion. Votre diagnostic est tout à fait pertinent et je trouve très intéressant pour la bonne et simple raison, c'est qu'il va en infra. Hein, il donne une compréhension en fait de pourquoi on a ces bons chiffres, pourrait-on dire. La CUB et le hors CUB se portent bien en fait en production de logements et c'est tout à fait intéressant puisque nous avons quand même une arrivée relativement importante tous les ans, à peu près 15 000 habitants. Donc oui, le logement se porte bien, la production se porte bien. On est des bons élèves. Bonjour, je suis Jacques Mangon, donc maire de Saint-Médard-en-Jalles et vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux en charge de l'urbanisme. Le diagnostic est juste et depuis plusieurs années, on assiste à une forte montée de l'attractivité de la région et donc qui se traduit au niveau du logement, de la construction. Et cette dynamique, qui est une dynamique générale du territoire, est amplifiée par les efforts qui sont faits par les collectivités locales, en particulier la communauté urbaine de Bordeaux, en matière d'habitat conventionné, de logement conventionné. Cette dynamique est une très forte dynamique. Il y a eu un pic en 2011, mais cette tendance se poursuit néanmoins assez fortement aujourd'hui. Je crois que c'est une très bonne indication pour la région. Alors, il faut quand même nuancer ça par le fait qu'en 2014, année d'élection municipale, on assiste à un climat qui est un peu atone parce que les anciennes équipes ont décéléré et les nouvelles équipes se mettent au travail. Donc il y a un moment qui est effectivement un moment de creux. Mais c'est un creux qui est vraiment conjoncturel et je pense que sur la structure du marché, elle est très positive et la volonté des collectivités accompagne fortement le marché. Michel Duchesne, je suis vice-président de la communauté urbaine, chargé de l'urbanisme et des grands projets urbains. La bonne santé de la communauté urbaine et du département en ce qui concerne la dynamique de construction de logements, la dynamique immobilière, oui, j'y crois. C'est une dynamique qui n'est pas nouvelle, qui s'est enclenchée dès les années 95-2000 et qui n'a pas faibli depuis. C'est une dynamique qui fait référence au niveau national, mais va-t-elle continuer? Je l'espère. Bien que nous soyons confrontés à des baisses très importantes des dotations d'État, je crois que le projet urbain est tel qu'il attire de nombreux investisseurs. Évidemment, l'héliotropisme joue son rôle, mais c'est aussi la dynamique urbaine de cette ville qui attire de nouveaux habitants. Donc j'y crois, oui, oui. Et c'est une réalité un peu spécifique, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Il nous faut la conforter, cette dynamique, mais surtout, surtout, il nous faut construire des appartements, des logements attractifs, qui s'inscrivent dans des logiques d'éco-quartier. Bref, nous avons tous les outils pour réussir, mais il faut conforter cette dynamique. Incontestablement, on a besoin de logements. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'effectivement, ça répond à toutes les demandes et à toutes les attentes? On n'a pas forcément besoin exactement de la même chose, du même type de logement pour des jeunes, pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, pour des familles aussi. Notre démarche, c'est cette compréhension au plus fin du territoire pour voir quels sont les besoins. C'est qu'il ne s'agit pas d'amener des personnes d'un territoire à un autre sous prétexte que là-bas, il y a un logement, c'est-à-dire les déraciner, parce qu'on voit bien que cela vient poser problème. C'est pour cela qu'au niveau du Conseil général, on a mis en place avec l'État un gros travail pour faire un plan départemental de l'habitat, pour essayer de comprendre de quoi les Girondins avaient besoin, y compris ceux qui arrivent en Gironde pour la première fois. Oui, cette dynamique est très positive, mais je crois qu'il faut aller plus loin avec un enjeu sur la Gironde, c'est la revitalisation des centres-bourgs, c'est la rénovation de l'habitat ancien, c'est ce qui fait qu'au niveau du Conseil général, on a pris la délégation des aides à la pierre pour à la fois être sur la production neuve, mais aussi sur la réhabilitation du parc ancien. Donc oui, il y a un dynamisme, mais attention à comment se développe ce dynamisme sur l'ensemble du territoire girondin. Alors cette dynamique qu'on observe sur le logement est une réponse effectivement aux besoins des ménages parce qu'elle fournit un volume d'activité, un volume de développement qui correspond à l'attractivité spontanée, aux besoins qu'on ressent sur l'agglomération en particulier, sur la Gironde en général, plus 15 000 habitants par an, sur l'agglomération en particulier, plus 4 à 5 000 nouveaux habitants par an, ce qui est quand même une dynamique forte et à laquelle il faut répondre.
mais elle est insuffisante parce qu'il y a d'autres besoins, de nature en particulier sociale, qui se manifestent, et spontanément, le marché n'est pas en soi une réponse suffisante à ces besoins-là. Il faut les accompagner. Le prix du foncier, concrètement, est une donnée qu'il faut corriger par une action volontariste des collectivités locales, de manière à offrir du logement abordable, du logement adapté aux besoins et aux capacités des ménages sur l'agglomération. Et c'est spécialement vrai sur la Cube, où ce besoin est naturellement très marqué. On voit bien les listes d'attente importantes qu'on connaît en matière de logement conventionné, logement social, logement abordable. Est-ce que cette dynamique est une bonne réponse aux attentes des ménages? Je le crois. Tout d'abord parce que la ville s'est radicalement transformée. C'est une ville nouvelle depuis quelques années qui s'est développée sous nos yeux. C'est une très belle ville, très attractive. C'est une ville aussi qui s'est radicalement transformée. On l'a quittée, cette ville, pendant la période des Trente Glorieuses. On allait habiter en périphérie et on quittait, en particulier le week-end, la ville. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les habitants, les commerces sont revenus dans le centre-ville et on y vient de la périphérie, y compris le week-end. Ça veut dire que cette ville non seulement s'est transformée, mais s'est transformée dans une logique de développement durable. À l'époque, on parlait plutôt d'écologie urbaine, mais cette dynamique urbaine a permis de transformer non seulement la ville, mais d'attirer des habitants qui aiment la ville et qui désirent y rester. Donc les logements que nous créons, les espaces publics que nous transformons, ont permis d'attirer ces nouveaux habitants. Et je crois que cette transformation de la ville nous a engagés dans une dynamique urbaine et politique qui ne s'est pas arrêtée et qui va nous permettre de construire cette nouvelle ville encore que nous attendons, surtout autour des logiques d'écoquartiers. Il y a une question qui est une question centrale, c'est comment on fait ensemble ? Et par là même, le rôle des collectivités territoriales par rapport à la question de la production du logement. Au niveau du Conseil général, par exemple, nous adossons notre politique du logement à notre politique de solidarité, parce que quelqu'un sans logement, il ne peut pas vivre. C'est ce qui fait qu'on est allé aussi avec l'État sur un travail de réflexion sur le plan départemental de l'habitat qui nous a amené à parcourir toute la Gironde de façon à rencontrer les élus, rencontrer les techniciens. Les maires sont là, présents, discutent avec nous, nous font part des populations qui sont en situation de besoin, à leur réalité de vie de ce territoire, mais aussi à leur possibilité d'engagement autour de cette politique du logement. La mise à disposition du foncier public a un rôle aussi important. On voit bien comment l'investissement des collectivités en synergie avec le Conseil général et aussi avec la communauté urbaine permet de produire. Donc je crois que tout ça doit bien montrer que le logement, ce n'est pas l'affaire d'un, mais bien l'affaire du vivre ensemble et donc de faire ensemble. Et je crois qu'il faut bien se dire qu'on ira sur le logement, on produira ce qui est nécessaire à partir du moment où tout le monde se sent concerné. Les collectivités locales ont un rôle extrêmement important à jouer. D'abord, elles doivent accompagner le mouvement économique, le mouvement de création de logements, le mouvement de construction de la ville, en particulier de la métropole, puisque c'est l'échelle qui se dessine. Mais elles doivent aussi, d'une certaine manière, l'accompagner en le transformant, en faisant en sorte que ce mouvement-là réponde aux aspirations des gens et, en dehors des aspirations, qui répondent également aux capacités financières des gens. Les ménages ont des moyens qui sont ce qu'ils sont et le marché seul ne peut pas répondre en termes d'adéquation de prix aux besoins des ménages. Il faut que les collectivités locales s'impliquent, s'investissent, en particulier au travers du foncier, pour maîtriser le foncier, faire en sorte qu'on puisse construire des logements sociaux. C'est l'effort de la communauté urbaine qui est fait de manière forte et très volontariste depuis maintenant 3 ans, avec, il faut le reconnaître, beaucoup de succès, puisqu'on a considérablement augmenté l'offre de logements conventionnés. Et puis, deuxième élément, c'est la dimension qualitative. Ce n'est pas parce qu'on est dans une démarche qui vise à augmenter la quantité de logements qu'il ne faut pas être attentif à la qualité. C'est ce que nous poursuivons avec, par exemple, l'opération 50 000 logements et l'action de la FAB. C'est ce que nous poursuivons plus généralement au travers du PLU, qui va être très axé sur la qualité de l'habitat, la qualité urbaine. Et ces deux dimensions sont tout à fait indispensables et correspondent, je crois, aux attentes de nos concitoyens. Les rôles des collectivités locales, c'est d'affirmer le fait politique. C'est pour les maires, les élus, d'avoir une vision pour leur ville, pour leur commune, d'avoir une vision pour le devenir de l'agglomération. C'est ce qui s'est passé en 1995 avec Alain Juppé, c'est ce qui a permis de transformer la ville. En collaboration, en symbiose avec les habitants, 1995-2001, premier mandat, 2000 réunions de concertation, une réunion de concertation tous les deux jours ouvrables, c'est-à-dire cette volonté d'écouter les habitants, leur savoir, leur intelligence, parfois leur critique,
et parfois leur radicalité par rapport à ces aménagements, la ville s'est transformée parce qu'à cette époque, nous avons affirmé un projet politique, parce que le maire, les maires ont une vision de la ville de demain. Et c'est là l'essentiel. À une époque où le politique est tant dévalorisé, voire même la politique en général, l'action urbaine permet, en collaboration avec les habitants, d'inventer la ville nouvelle. Et c'est ce que nous avons fait à Bordeaux et dans l'agglomération, et c'est ce que nous allons continuer à faire. Plusieurs messages. Le premier que je voudrais dire, c'est effectivement, il faut faire ensemble, à la fois l'ensemble des collectivités territoriales mobilisées sur un territoire ou par le territoire. Ensuite, il faut faire ensemble, à la fois au niveau du parc public et de la promotion privée, mais aussi la réhabilitation du parc ancien. Ensuite, il faut faire ensemble dans le sens de la prise en compte des populations en situation de précarité, parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on risque de se poser des problèmes là où on peut les éviter. Et je crois que là, le rôle du Fonds social logement, par exemple, est important. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on constate une évolution, un nombre croissant, en définitive, de demandes en matière d'impayés, de mise en jeu des garanties. Donc là, il faut être ensemble aussi pour aborder cela. Mais c'est lié à la question de la production, hein, et de la rénovation. Et puis, je crois aussi une égalité de traitement sur la qualité des productions, en particulier autour de la précarité énergétique, à faire un travail important. Et je crois que là aussi, c'est ensemble avec une mobilisation des acteurs. Je crois qu'il y a un message qu'il faut retenir, c'est que tous les acteurs du monde de la construction, les élus, les partenaires économiques, les bailleurs sociaux, tous ceux qui participent à ce moment-là, doivent collaborer fortement, doivent être en situation de confiance et de co-construction d'un nouveau modèle. Parce qu'il y a un modèle bordelais qui est en train de d'émerger petit à petit et qu'il faut savoir accompagner fortement. C'est un modèle qui concilie la qualité de l'habitat, la nature et une certaine manière de vivre une grande agglomération. Eh bien, cette ambition métropolitaine, on doit le faire sans sacrifier ce qui fait notre force et notre attractivité aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine forme de qualité de vie. Et si on s'y met tous ensemble, eh bien, je crois qu'on va y arriver tout simplement. Nous avons vécu dans l'histoire des crises économiques terribles. Est-ce qu'elle est conjoncturelle? Est-ce qu'elle est structurelle? En tout cas, nous vivons une crise économique très, très dure, mais nous vivons aussi une crise écologique environnementale qui est la première et peut-être l'unique dans notre histoire, enfin en tout cas dans l'histoire de l'humanité. Je crois que nous devons nous mobiliser pour tout simplement sauver la planète. C'est vrai que les mots parfois paraissent grandiloquents. Je pense que cette crise est non seulement terrible, mais qu'elle engage la survie de l'humanité. C'est pourquoi les actions que nous menons, non seulement dans les villes, mais sur l'ensemble du territoire, doivent tenir compte de cette réalité. Nous sommes un moment clé de notre devenir, de notre survie. Il faut que nos politiques tiennent compte de cette réalité.